Deux gros coups de tonnerre là. J'ai l'impression que ça va tomber sur les montagnes et ça peut-être même descendre un peu ici. Je réfléchissais devant ces cadres noirs là. Parce que j'en ai déjà récupéré pas mal cette année, hein, je vois. Le nombre de ruches augmentant, forcément. Alors idéalement, il faudrait une chaudière vapeur, mais bon, j'ai pas assez de cadres non plus pour. Ni assez de cadres, ni assez de place pour investir. Dans ce genre de truc. Je vais essayer de bricoler. J'ai un nettoyeur vapeur professionnel de chantier là, assez péchu, mais à la limite même avec une petite décolleuse à papier peint, ça doit être jouable. Enfin, décolleuse à papier peint, je sais pas. Hein. Mais de faire une caisse hermétique, de foutre le décolleur papier peint dessus pour faire fondre tout ça. Je vais tenter le coup. Je te tiendrai au jus. Parce que, ouais, jusqu'à présent, bah, je gratte la vieille cire au couteau. Hein, et je l'ai fait au petit chalumeau rouge, là, tu vois. L'hiver, pour l'année d'après, je les flambe, je les resserre. Enfin, je remets une amorce. Mais, ouais, il va falloir trouver une solution, là aussi. Hein. Dites-moi comment vous faites. Hein. Bon, si t'as plus de 10-15 colonies quand même. Hein. Enfin, même plus de 20. Allez. Parce que sinon, ouais, je te dis, jusqu'à une vingtaine, tu découpes, tu brûles, tu recires. Ça va, ça passe. Hein. C'est pas, il n'y en a pas pour 107 ans, mais 150, 200 cadres à faire en hiver, ouais, je sens que ça me gonflait. Voilà. Ça peut être une manière de se concentrer sur autre chose, hein. Mais bon, hein, si on trouve un truc, allez.